tous. Allez, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit projet. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ce thème déjà quelques fois. Il faudrait que je réfléchisse. Donc, vous aurez compris, il s'agit effectivement du thème du Joker. Donc, nouveau thème sur un nouveau vélo. Aujourd'hui, on va pas exactement partir sur ce type de graphisme, mais dans quelque chose qui s'y rapproche un petit peu. Ça va être très sympa. On va partir sur un YT Izzo, donc d'un client qui nous a fait confiance pour nous laisser son vélo. Donc, on va essayer de lui réaliser quelque chose de bien sympa, mais pas sur la totalité du vélo. On va faire une peinture partielle. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça va permettre de garder l'aspect mat du vélo, vous verrez, mais tout en ayant un vernis brillant céramique qui va donner beaucoup de relief et beaucoup d'éclat sur les zones qu'on va refaire. Donc ça va être vraiment très très sympa. Donc vous verrez ça, ça va être très chouette. Bien évidemment, ce type de vélo, ça demande une préparation très spécifique puisque on ne va pas repeindre et poncer l'intégralité du cadre. Donc protection oblige sur tout le cadre, là où en tout cas on n'aura pas besoin de peindre ni de vernir pour éviter d'avoir des projections évidemment un peu partout. Donc, avant de découvrir le vélo final, bah écoutez, c'est parti pour la première phase. Donc, on masque d'abord le vélo. Ça y est, j'ai terminé de poser donc le masquage de protection avant d'attaquer le ponçage du cadre, de façon à ce qu'on puisse venir accrocher donc la peinture et le vernis par la suite. Comme ça, le cadre, le reste du cadre du moins, n'aura pas de projection et on pourra ensuite démasquer tout ça proprement de façon à faire sécher le cadre. Voilà. Allez, c'est parti pour pose démasquage. Une particularité liée à la peinture partielle, c'est qu'on a des lignes de masquage pour venir délimiter les zones un peu partout sur le vélo. Et ce qu'il est très important à faire, c'est de faire attention à ne pas les abîmer lorsqu'on vient poncer, parce que sinon on risque de devoir tout recommencer une fois que le vernis sera terminé. Bon, et bien maintenant on va pouvoir découvrir les masquages qui vont être posés sur le cadre.
Ça y est, on a fini de démasquer donc les zones à vernir. Les détails sont juste super sympas. On va pouvoir faire un joli vernis dessus, un vernis brillant, donc qui fera en relever encore un petit peu plus le contraste sur le vélo, sur le cadre. Donc maintenant, c'est parti, place au vernis. Et voilà, donc fin de cette nouvelle vidéo, donc le vélo est terminé, le client va venir chercher son vélo, je suppose qu'il doit être très impatient de pouvoir retourner rouler avec, et on peut le comprendre. En tout cas pour moi, c'est pas fini, d'autres projets encore et encore, on a pas mal de petites choses à venir, des choses hyper sympas qui vont pas tarder à arriver. Allez, j'en dévoile un petit morceau. Années 70, des paillettes, un VTT, j'en dis pas plus. En tout cas, ça, ce sera à suivre sur ma chaîne prochainement. Pour le moment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous les commentaires d'encouragement que vous avez pu déposer lors de ma première vidéo. Ça m'a énormément fait plaisir. Si vous avez des projets peinture, n'hésitez pas en tout cas à me contacter pour que ce soit des VTT, des vélos de route ou même des casques. Ce sera avec plaisir que j'étudierai vos projets. En attendant la prochaine vidéo, en tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes unique et votre deux roues aussi.